voyage au bout de la nuit. 1932. Biographie de Louis Destouches, alias Louis Ferdinand Céline, et notes sur Elizabeth Craig en fin d'ouvrage. Voyage au bout de la nuit est un roman qui a daté l'histoire de la littérature. Dès sa publication, le scandale et les polémiques soulevées par l'emploi de la langue orale et la dénonciation d'une société abrutissant et humiliant l'homme sont immédiats. Le style surprend autant qu'il effraie, d'autant qu'il s'agit du premier roman d'un illustre inconnu. Désolé, mais je vois un peu flou. En 1932, l'introduction de la langue populaire en littérature reste rare, et il est encore moins fréquent que ce soit le narrateur qui parle cette langue, d'habitude réservée au seul dialogue. Céline frappe fort. Le projet a été longuement mûri depuis Semmelweis, Progrès ou l'Église. Voyage correspond à l'aboutissement et à la maturité d'une écriture que son auteur travaille depuis de nombreuses années. Voyage se divise en deux grandes parties. De façon très simpliste, la première relate les errances et les égarements de Bardamu, le narrateur, à travers le monde, et la seconde, son retour à Paris et sa carrière de médecin. Céline utilise sans retenue les données de son expérience de soldat et de médecin pour doter sa prose d'un style particulier qui fera de Voyage un tel chef-d'œuvre. Cillié, B. Jouy. En 1932, le roman de Céline avait a priori toutes les chances d'obtenir le prix Goncourt, mais celui-ci fut attribué à Guy Mazeline pour son roman Les Loups. Cette affaire fit scandale. La presse déchaîna. Lucien Descaves écrivit dans le journal Le Crapouillou. Je sais les moyens dont certains disposent pour imposer leur choix. Je sais la presse qui est vendue et ceux qui sont à vendre. Je n'y peux rien. Donc, à Elizabeth Craig, notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit. Chanson des gardes suisses de 1793. Et pour faire plaisir aux amis suisses, je dirais 1793. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage, à nous, est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire active. Littré le dit, qu'ils ne se trompent jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Voyage au bout de la nuit, première partie.
ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un certain carabin, lui aussi, un camarade. On se rencontre comme, donc, place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons. Je rentre avec lui, voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors on remarque encore qu'il n'y avait encore personne dans les rues, à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait froid, non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos, « Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés. Mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèmes et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse, qu'ils disent. Où ça ? Grand changement, qu'il raconte. Comment ça ? Rien n'est changé en vérité. Il continue à s'admirer et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots. Et encore pas beaucoup. Même parmi les mots qui sont changés. Deux ou trois par-ci, par-là, des petits. Bien faire alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là, assis, ravi, à regarder les dames du café. Après la conversation, est revenu sur le président Poincaré, qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une expédition de petits chiens, et puis, de fil en aiguille, sur le temps où c'était écrit. Tiens, voilà un maître journal, Le Temps. Qu'il me taquine, Arthur Gannat, à ce propos. Il n'y en a pas deux comme lui pour défendre la race française. Il en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas. Que j'ai répondu, moi, pour montrer que j'étais documenté et du tac au tac. Si, donc, qu'il en ait et une belle de race, qu'il insistait, lui, et même que c'est la plus belle des races du monde, et bien cocu, qui s'en dédie. Et puis, le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que tu appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux, dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici et poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. Bardamu, qui me fait alors gravement et un peu triste, nos pères nous valaient bien, n'en lit pas de mal. T'as raison Arthur. Pour ça t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, étripé, et couillon toujours, il nous valait bien. Tu peux le dire, nous ne changeons pas. Ni Tiocette, ni de maître, ni d'opinion, et ou bien si tard, que ça vaut plus la peine. On est fidèle, et on en crève, nous autres. Sol gratuit, héros pour tout le monde et singe parlant, mots qui souffrent. On est, nous, les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède,
tournez pas sage, il serre. On a ses doigts autour du cou, toujours, ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Marie. Arthur, l'amour, c'est fini, mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi. Je lui réponds. Parlons-en de toi. Tu es un anarchiste, et puis voilà tout. Un petit matin, dans tous les cas, vous voyez ça d'ici. Et tout ce qu'il y avait d'avancé dans les opinions. Tu l'as dit, Bouffi, je suis anarchiste. Et la preuve la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles. Les ailes en or, c'est le titre. Et je lui récite alors. Un dieu qui compte les minutes et les sous, un dieu désespéré, sensuel et grognon, comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombe partout, le ventre en l'air, prêt aux caresses. C'est lui, c'est notre maître, embrassons-le. Tout petit morceau ne tient pas devant la vie. J'en suis moi, pour l'ordre établi, et je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs, le jour où la patrie, me demandera de verser mon sang pour elle, elle me retrouvera, moi, bien sûr, et passe fainéant, prêt à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Justement, la guerre approchait de nous deux, sans qu'on s'en soit rendu compte, et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis, j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir. Tout à fait. On était du même avis sur presque tout. Pardon. C'est vrai. T'as raison, en somme, que j'ai convenu, conciliant. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère. On rame tous à tour de bras. Tu peux pas venir me dire le contraire. Assis sur des clous, même à tirer, tous nous autres. Et qu'est-ce qu'on a ? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards, et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste, le travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, ceinturant des roubignoles. Et puis voilà. En haut, sur le pont, au frais, il y a les maîtres qui ne s'en font pas. Avec de belles femmes roses et gonflées de parfums sous les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent celle-là. Merci le chat. Excusez-moi. Je disais donc. En haut, sous le pont, au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas. Avec de belles femmes roses et gonflées de parfums sous les genoux. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup dans la gueule, comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la partie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a de tout ce qu'il faut à bord. Tous en cœur,
que les voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1. Qu'on vous entende de loin, celui qui gueulera le plus fort. Il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu. Désolé, mais je flague les mouches en même temps. Et puis, ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre, où c'est fait plus vite qu'encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que ma pauvre Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà-t-il pas que juste dans le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et, avec le colonel par devant, sur son cheval, et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel, moi, je ne fis qu'un bond dans son enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur, et me voici parti à m'engager, et au pas de course encore. T'es rien que Ferdinand, qu'il me crie. Lui, Arthur, en retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'avait un peu froissé qu'il prenne la chose ainsi, mais ça ne m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, et il n'avait. J'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment de le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il y en avait plus qu'il y en avait, encore des rues, et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements. Et qui lançait des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes, et puis il s'est mis à y en avoir moins de patriotes. La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins, et puis plus du tout d'encouragement, plus un seul sur la route. Nous n'étions non plus rien d'entre nous, qu'entre nous, pardon. Les uns derrière les autres, la musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle, c'est plus drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous et les civils. On était fait comme des rats. Deuxième partie. Une fois qu'on y est, on y est. Bien. Ils nous firent monter à cheval et puis, au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie. En principe, il faut un... Avec, on ne savait où, dans un petit endroit sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là, précisément, qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin de sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs. Au milieu, comme nous,
mais c'étaient deux Allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être, qu'ils savaient. Mais moi, vraiment, je ne savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups. On allait toucher ensemble les filles après l'école dans les bois d'alentour où on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même 4 marques. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord, et en plein milieu de la route, il y avait de la marge, et même un abîme. Trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais, moi, pas du tout. Je n'avais pas dû m'en apercevoir. Mais mes sentiments toujours n'avaient pas changé à leur égard. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité, mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Énormément, absolument, tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire. Il n'est qu'à foutre le camp, que je me disais après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 mm, à 1 mm peut-être de tempe, venez vibrer l'une derrière l'autre ces longs fils d'acier tendon que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Bonsoir le petit Watouba, bonsoir Tiffen, bonsoir Fredo. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. Ferme déserte loin, des églises vides ou ouvertes. Comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée, tous, pour une fête à l'autre bout du canton, et qu'ils nous eussent, laissé en confiance tout ce qu'ils possédaient, leur campagne, les charrettes, brancards en l'air, leurs champs, les enclos, la route, les arbres, et même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi. Pour qu'on se retrouve bien tranquille à faire ce qu'on voudrait pendant leur absence. Ça avait l'air gentil de leur part. Tout de même, s'ils n'étaient pas ailleurs, que je me disais, s'il y avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduit de cette ignoble façon, aussi mal. On n'aurait pas osé devant eux. Mais, inévitablement, plus personne pour nous surveiller, plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries,
quand tout le monde est paru. Je peux penser aussi, derrière un arbre, que j'aurais bien voulu de voir ici, moi, le déroulède dont on m'avait tant parlé, m'expliquer comment il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon. Ses armements accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais il semblait avoir des balles à en revendre. Des pleins magasins sans doute. La guerre, décidément, n'était pas terminée. Pour ce colonel, il faut dire ce qu'il est, manifesté, une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée, et puis de long en large, parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait été attendu un ami, un ami sur le quai de la gare, un peu impatiemment semant. Moi d'abord la campagne. Faut que je le dise tout de suite. J'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvé triste, avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus. Les peupliers mêlaient leurs rafales de nids et de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas, surtout. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais pas remuer. Le colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien. Il n'imaginait pas son trépas. Je conscient en même temps qu'il devait y avoir comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant, sans doute, dans les armées d'en face. Qu'il savait combien, 1, 2, plusieurs millions, peut-être en tout. Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il ? Je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je. Et avec quel effroi. Perdu parmi 2 millions de fous héroïques déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans cheveux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, très tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un carabanon. Pour y tout détruire, Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragé que les chiens adorant leur âge, ce que les chiens ne font pas. 100 000 fois plus enragé que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'honneur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir autant d'entrées
vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes. À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs, et c'était arrivé. Le colonel, non, j'ai toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus de petites lettres du général qui déchirait ensuite, menu, les ayant lus sans hâte, entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lisait donc pas d'en haut qu'il y avait une méprise. Abominable erreur, maldon. Qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire et pas des assassinats. Mais non. Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles de la division. Notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque 5 minutes par un agent de la liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus ouvert ou foireux. Je l'aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là. Mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc, pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé sans doute par des gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à court. Rien à dire. Je venais découvrir d'un coup la gueule tout entière. La guerre, pardon. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. Et j'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle, comme elle était à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait. Comme le courant entre les deux charbons, dans la lampe, à arc. Et il n'était pas prêt de s'éteindre le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout Mariole, qui semblait être à sa carne, ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Il y a même des façons d'être condamné à mort. Ah, combien n'aurais-je pas donné là, à ce moment-là, pour être en prison au lieu d'être ici, moi, crétin. Pour avoir, par exemple, quand c'était si facile, prévoyant, volé quelque chose, quelque part, quand il était encore temps. On ne pense à rien. De la prison, on s'en sort vivant. Pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. Si seulement j'avais encore eu le temps, mais je n'avais plus. Il n'y avait plus rien à voler. Comme il ferait bon dans une petite prison pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas, ne passent jamais. J'en connaissais une, toute prête, au soleil, au chaud. Dans un rêve, celle de Saint-Germain précisément, si proche de la forêt, je la connaissais bien. Je passais souvent par là, autrefois, comme au champ.
J'étais un enfant alors. Elle me faisait peur, elle me faisait peur, la prison. C'est ce que je connaissais, pas encore les hommes. Je ne croirai plus jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est des hommes et d'eux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent épuisés enfin ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois, des années, combien? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous, jusqu'au dernier. Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d'arrêter la guerre, au moment dans ce coin, là où j'étais. Le colonel déambulait à deux pas. J'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanderait-il. J'imaginais, très surpris, bien sûr, par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerai alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. À deux, on y arrive mieux que tout seul. J'allais faire cette démarche décisive quand, à l'instant même, arriva vers nous au pas du gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, comme Bélissard. Et puis, tremblant, et puis bien souillé de boue, le visage plus verdâtre encore que celui de l'autre agent de maison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir d'un tombeau et qu'il en avait tout mal au cœur. Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme, lui non plus. L'éprouvait-il comme nous, comme moi? Qu'est-ce que c'est? L'arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier. Je vois ainsi cet idiot cavalier dans une tenue bélissère, aussi peu réglementaire, et tout foire en émotion. Sale coup, c'est fort, colonel. Il n'aimait pas cela du tout, la peur. C'était évident. Et puis, ce casque à la main, surtout, comme un chapeau melon, achevait de faire joliment mal dans notre régiment d'attaque. Un régiment qui s'élançait dans la guerre. Il avait l'air de le saluer, lui, ce cavalier à pied, naguère, en entrant. Sous ce regard d'opprobre, le messager vacillant se remit au garde à vous. Les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se doit dans ces cas-là. Il oscillait ainsi, raidi, sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des cris, des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s'il voulait nous parler, ou bien s'il pleurait. Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d'instrument. C'était la mitrailleuse qui poursuivait à présent leur sottise.
Ils en craquaient comme de gros paquets d'allumettes, et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses, comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. Le maréchal des logis, Barousse, vient d'être tué, mon colonel, qu'il dit tout d'un trait. Et alors, il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sous la route des étrapes, mon colonel. Et alors, il a été éclaté. Et alors, il a été éclaté par un obus. Et alors, mon Dieu, et voilà mon colonel, c'est tout. Oui, c'est tout mon colonel. Et le pain, demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue parce que je me souviens bien qu'il y a eu le temps de dire tout juste « et le pain ». Et puis c'est foutu, ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe. On a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, et tout de suite, du bruit, et je croyais bien que c'était fini. Que j'étais devenu du feu et du bruit moi-même. Et puis donc, le feu est parti, le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un voulait secouer par derrière. Ils avaient l'air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même, mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis Barousse, qui venait d'éclater comme l'autre nous avait appris. C'était une bonne nouvelle. Tant mieux que je pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en bois dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve. Chacun sa guerre, que je me dis. De ce côté-là, il faut en convenir. De temps en temps, elle avait l'air de servir à quelque chose, la guerre. Je connaissais bien encore 3 ou 4 dans le régiment de sacrées ordures que j'aurais aidé bien volontiers à trouver un obus comme Barousse. Quant au colonel, lui, je ne voulais pas de mal. Lui, pourtant aussi, il était mort. Je ne le vis plus, d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours. Mais le cavalier n'avait plus de sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait, en glouglou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert et il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal, ce coup-là, au moment où c'est arrivé. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble.
Les obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la Seine. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. Je chantonnais même un bras en titubant, comme quand on a fini une bonne partie de calotage et qu'on a les jambes un peu drôles. Un seul obus. C'est vite arrangé les affaires tout de même avec un seul obus. Et je me disais, ah, dis donc. Et je me répétais tout le temps, ah, dis donc. Bon, je fais une mini-pause pour saluer toutes les personnes qui viennent nous rejoindre pour cette lecture en direct. Soyez les bienvenus. Il n'y avait plus personne au bout de la route. Les arbres étaient partis. Cependant, j'avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi. Je me disais encore, pour se faire prisonnier. Ça et là, des morceaux de fumée âcre s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, et je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ce qu'il serait avantageux et pratique qu'ils soient tous tués très vite. Comme ça, on en finirait tout de suite. On rentrerait chez soi. On repasserait peut-être par Place Clichy en triomphe. Un ou deux seuls mots qui se réveilleraient. Dans mon désir, des gars gentils et bien balancés derrière le général, tous les autres seraient morts comme le colon, comme Barousse, comme Vanaille, une autre vache, etc. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe. On entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on paierait plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note, les défenseurs de la patrie, et ça suffirait. On paierait avec des petits drapeaux français. La caissière refuserait même l'argent des héros et même elle vous en donnerait avec des baisers quand on passerait devant la caisse. Ça vaudrait la peine de vivre. Je m'aperçus en fuyant que je saignais du bras. Mais un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. C'était recommencé. Il se remit à pleuvoir, les champs des Flandres bavaient l'eau sale. Encore pendant longtemps, je n'ai rencontré personne. Rien que le vent et puis peu après, le soleil. De temps en temps, je ne savais d'où une balle comme ça, à travers le soleil et l'air me cherchait, guillerait, entêté à me tuer dans cette solitude, moi. Pourquoi ? Jamais plus, même si je vivais encore 100 ans, je me promènerais à la campagne. C'était juré. En allant devant moi, je me souvenais de la cérémonie de la veille. Dans un pré qu'elle avait eu lieu, cette cérémonie, au revers d'une colline,
le colonel, avec sa grosse voix, avait harangué le régiment. « Oh les cœurs !» qu'il avait dit. « Oh les cœurs !» et « Vive la France !» Quand on n'a pas d'imagination, mourir c'est peu de choses. Quand on en a, mourir c'est trop. Voilà mon avis. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Le colonel n'avait jamais eu d'imagination, lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là. Le nôtre, surtout. Étais-je donc le seul à avoir l'imagination de la mort dans ce régiment ? Je préférais la mienne, une mort tardive, dans 20 ans ou 30 ans, peut-être davantage, à celle qu'on me voulait de suite, à bouffer de la boue, des flammes, à pleine bouche, plus que de la bouche même, fendue jusqu'aux oreilles, par un éclat. On a bien le droit d'avoir une opinion sur sa propre mort, mais alors, où aller ? Droit devant moi ? Le dos à l'ennemi. Si les gendarmes ainsi m'avaient pincé en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m'aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne franquette, dans une classe d'école licenciée. Il y en avait beaucoup, des vides, des classes. Partout nous passions. On aurait joué avec moi à la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l'estrade, assis, moi debout, menotté aux mains devant les petits pupitres. Au matin, on m'aurait fusillé, 12 balles plus une. Alors, et je ne repensais encore au colonel, brave comme il était cet homme-là, avec sa cuirasse, son casque et ses moustaches. On l'aurait montré se promenant comme je l'avais vu, moi, sous les balles et les obus. Dans un music hall, c'était un spectacle à remplir la rambarde, alors il aurait été éclipsé, Flaxon, dans l'époque dont je vous parle. Une formidable vedette, cependant. Voilà ce que je pensais, moi. Bas les cœurs. Je pensais, moi. Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j'aperçus enfin nos soldats devant un mur de ferme. C'était un avant-poste à nous, celui d'un escadron qui était logé là, qui était logé par là. Pas un tué chez eux, qui m'ont commandé ça. Tous vivants, et moi qui possédais la grande nouvelle, le colonel est mort. Que je leur criais dès que je fus assez près du poste. C'est pas les colonels qui manquent, que me répondit le brigadier des pistils, du tac au tac, qui était justement de garde, lui aussi, et même de corvée. Et en attendant qu'on le remplace, le colonel, Vanonc et Carotte, toujours à la distribution de bidoches avec Ampouille et Kerdoncuf, et puis prêter du sac chacun. C'est derrière l'église que ça se passe. Qu'on voit là-bas. Et puis, vous ne faites pas refiler encore rien que les os comme hier. Et puis, tâchez de vous démerder pour être de retour à l'escouade avant la nuit, salopard. On a repris la route. Tous trois, donc. Je ne racontais plus rien à l'avenir. Je me disais, vexé. Je voyais bien que ce n'était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là,
qu'un drame comme j'en avais vu un s'était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareilles. Et c'était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que 8 jours plus tôt, on avait mis sur mon 4 colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d'un colonel, comme c'était arrivé. Les abrutis. C'était donc dans une prairie d'août qu'on distribuait toute la viande pour le régiment. Ombrée de cerisier et brûlée déjà par la fin d'été. Sur des sacs et des toiles de tente largement étendues et sur l'herbe même, il y avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de grands flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaille, suintant et ruisselaient, ingénieux, dans la verdure d'alentour, un bœuf entier sectionné en deux, pendu à l'arbre, et sur lequel s'exprimait encore un jurant, les 4 bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d'abattis. On s'engueulait ferme entre escouades à propos de graisse, de rognons et surtout au milieu des mouches qu'on ne voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme de petits oiseaux. Et puis du sang encore, et partout, à travers l'herbe, et flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente. On tuait le dernier cochon quelque pas plus loin. Déjà 4 hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir. C'est toi, Évendu, qui l'a étouffé hier, la loyau. J'ai eu le temps encore de jeter 2 ou 3 regards sur ce différent alimentaire, tout en appuyant contre un arbre, et j'ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu'un peu, jusqu'à l'évanouissement. On m'a bien ramené jusqu'au cantonnement sur une civière, mais non sans profiter de l'occasion pour me barboter mes 2 sacs en toile cachou. Je me suis réveillé dans une autre engueulade de brigadier. La guerre ne passait pas. Voilà, je vais arrêter cette lecture avant la 3e partie et je vous donne rendez-vous à une prochaine lecture que je ne planifie pas, qui viendra quand il devra arriver. Et je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye, bonne nuit.